Donc Jean-Michel, vous êtes candidat, vous avez été candidat à l'Amour et dans le Pré. Alors comment ça s'est passé cette émission pour vous ? J'étais candidat de la saison dans le Pré, saison 6. Donc aujourd'hui, comme tout le monde sait, donc j'ai vendu ma ferme. Et donc voilà, et puis j'ai le projet d'écrire un livre. Donc il va sortir l'année prochaine. Alors j'imagine, cette ferme, vous l'avez vendue à contre-cœur. Hein. Ouais, expliquez-nous un petit peu ces difficultés. J'ai discuté de trésorerie, puis après des voisins. Oui, j'ai vendu contre-cœur, j'ai même failli me foutre en l'air, j'ai voulu foutre sur un camion. Et puis voilà, donc aujourd'hui, bon, je vais la vendre. Donc j'ai plus de bêtes, j'ai plus rien. Est-ce que les gens vous aident, justement Mais bon, ça n'a pas été assez, donc ça n'a pas été assez. Donc voilà, donc je suis obligé, j'ai fait un choix. Donc. Alors, non, sur mon livre, en fait, je raconte ma vie donc, sur mon enfance difficile qui a commencé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que je suis arrivé aujourd'hui. Ça a été une fierté quand même, l'émission ? Ça a été très fierté, donc moi je ne regrette pas, j'ai passé des très bons moments, on est resté très bien, la saison 6 c'est une très bonne saison, et donc Karine Marchand est formidable, donc je ne regrette pas, ça sera refaire, je leur signe tout de suite. Aujourd'hui, je vais sûrement aller dans le sud, où il y a Didier, donc, je ne sais pas, sûrement vous avez du boulot dans la région aussi, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir, parce que je n'ai pas envie de me planter, donc bon, j'ai encore ma ferme n'est pas vendue. L'agriculture, c'est quand même une passion pour moi. C'est une passion, oui, donc j'ai toujours aimé mes bêtes, tout ça, donc c'était une vraie passion, mais bon, la vie a voulu autrement. Le public, là, ils vous reconnaissent un petit peu ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont chaleureux avec vous ? Oui, mais ils me demandent une prendre en photo, ils me demandent des autographes, donc non, ils sont super, comme d'habitude, ils sont adorables. Ça a changé votre vie, justement, ça, d'être reconnu ? Oui. Parce que bon, c'est vrai que le plus dur, c'est le commencement, parce que du jour au lendemain, on se trouve pas connu, et puis après, on se retrouve connu. Donc, c'est ça le plus dur. Donc, ça va, aujourd'hui, ça va. Donc, mais ce que j'ai remarqué, c'est, je pense que c'est un an après, là, ça fait bientôt un an et demi, c'est là que c'est les gens qui me prennent plus en photo, qui viennent me voir. Au début, je pensais que de la curiosité, parce que je suis passé à la télé, puis après, c'est un an après, donc les gens viennent me voir, ils me prennent en photo, donc ils discutent avec moi, donc c'est sympa. Êtes-vous toujours célibataire ou pas ? Oui, je suis toujours célibataire depuis un mois, ouais. Ouais. Passez une annonce, allez-y. Ouais, bah en fait, j'aimerais bien trouver une fille qui a une ferme. J'aimerais bien être avec elle, à se grandir dans sa ferme. Donc, Eh bien, Jean-Michel, merci beaucoup, et puis on rappelle, hein, le livre, il sort quand, précisément ? L'année prochaine, je ne sais pas quand. D'accord. Eh bien, Jean-Michel, merci beaucoup. Merci.